Hey, salut tout le monde, c'est Lucas78. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser sur ma collection de jeux de tir à la première personne. Donc, on va commencer, c'est-à-dire ma collection FPS, First Person Shooter. Bon, on va commencer avec. On va commencer par avec ça. Les Halo. Donc, on va. J'ai Halo Reach puis Halo 3 au DST. Manque le 4, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis quand même déçu de Halo 3, mais je préfère celui-ci parce qu'il est plus cool. Oui, je m'en fous. Je veux plus rien savoir. Je le regrette de l'avoir acheté. Ouais. Parce que c'est trop flashback, puis ça me fait chier. Bon. Ok, un autre. Donc, à part de ça, j'ai un autre jeu de tir à la première personne. Juste ici. C'est Killzone 2, un exclu PS3. C'est le rival de Halo, mais je l'ai terminé, mais. Mais il est quand même chiant. As-tu vu mes beaux graphismes? Et c'est tout. C'est dommage. Donc. Et ça, c'est 100%. Et ma collection PS4 actuellement, c'est 100% FPS. Donc, on va commencer avec Red Dead Redemption 2. On peut utiliser le pavé tactile pour le transformer en FPS. Donc, GTA 5, idem. Donc, ça, c'est le rival de Call of Duty, qui reprend la Première Guerre mondiale. Et puis, Deus Ex Mankind Divide. Un jeu de un FPS futuriste infiltration. L'édition jour 1, Day 1. Et puis, je l'ai pas terminé parce qu'il me commençait à me faire chier de plus en plus. Dommage. Donc, c'est ça. Le constater. Donc maintenant, on va s'intéresser à ma collection Electronic Arts, EA. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, ouais, ma collection EA. Donc, j'ai Rock Band. J'ai Harry Potter, le prince de sang mêlé. NBA Live 2009. Maiden NFL 2013. Et Battlefield 1 que je représente aujourd'hui. Donc, c'est tout. À la prochaine. Bye!